Bonjour, ce matin, je m'en viens de parler de mon défi que je tiens sur Facebook et Instagram et qui s'appelle Art Challenge Jolaf. Les liens seront en commentaire. C'est un défi avec un thème, un défi amical et créatif, alors qui est là pour t'inspirer. Et oui, je continue l'inspiration jusque-là pour toi. Alors, c'est un défi, donc il y a un thème à chaque dimanche et tu peux utiliser le médium de ton choix. Alors, ça peut être collage, peinture, photo, dessin, tout ce que tu peux imaginer, tricot, tout est bon, en autant que tu respectes le thème. Alors, tous les liens, comme je disais, sont en commentaire et tu peux participer. Ça va me faire plaisir de voir tes créations. Cette semaine, moi, j'ai fait un collage que je vais te montrer pour te donner une idée. Écoute, peux-tu croire que je fais l'introduction après le collage? Bon, on travaille à l'envers. Alors, donc, voilà mon collage. Le thème pour la semaine 26, c'est bleu. Alors, donc, c'est ma ville bleue que j'ai appelée. Certains voient une porte plutôt qu'une ville. Non, je sais pas ce que toi, tu vois. Tu pourras me dire ça en commentaire. Alors, je te montre le making of du collage. J'ai sorti tout plein d'images avec du bleu et on va voir, regarde, c'est beau. On va voir, regarde, ouh. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Il y a beaucoup de villes. J'ai l'impression que ça pourrait être la ville bleue. Alors, on va faire ça sur un petit papier blanc. Moi, quand je déchire vers l'avant, ça fait la belle petite bordure blanche. Si je déchire vers l'arrière, vois, il n'y a pas de petite bordure. Alors, ça dépend de ce que l'on veut comme résultat. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette bordure blanche qui est déchirée. Alors, j'avais une autre ville ici tantôt. Ah, j'ai un édifice là. J'ai des édifices ici. Je crois que c'est tout. J'ai réorganisé les portions du ciel, me disant que je trouve intéressant ce bleu ici qui vient faire le plus foncé, là, qui vient faire un rappel avec le bleu du bas. Donc, je l'ai monté un peu et j'en ai coupé ici sur le côté droit parce que j'aime bien que ça fasse une ligne droite comme ça. Puis lui, j'aime bien qu'il vienne cacher parce que tu vois. Il y a un morceau de bateau ici, là, qui n'a pas d'affaire là. Alors, en mettant celui-ci, qui est plus long à gauche qu'à droite, ça vient le cacher en partie. Puis on aime bien ça. Alors voilà, pour tout de suite. Et j'aime bien que le côté gauche soit un peu comme désordonné aussi. On va voir ce qu'on fait vraiment avec ça par la suite. Et on a toujours un trou, hein, ici. Et on a toujours ce beau rond-là. Est-ce que ce serait ça qu'on irait mettre là? Ou est-ce qu'on trouverait
complètement autre chose. On a ce bleu ici qui fait bien avec les... Si on l'essayait. Voir. Oh, c'est intéressant les textures. Mais en fait, j'aime bien parce qu'il vient faire un rappel, c'est la même image, hein? Il vient faire un rappel avec les bleus du haut qui sont des revues plus vieilles. Alors, l'impression est différente, la qualité d'impression est différente, les couleurs aussi font vieillotte un peu comparé à celles-ci qui sont des revues plus récentes. Donc, des feuilles plus minces et des couleurs plus vives peut-être. Plus lumineuse. J'ai collé les différentes pièces. Et on a un trou ici aussi. On a réglé le trou ici, mais là on en a un en haut. Alors j'ai essayé toutes sortes de choses, genre ce bleu qui vient chercher le bleu, qui est intéressant. Celle-ci qui est un petit peu plus pâle, qui ne me parle pas trop. Du vraiment comme ça, différent. Ça marche dans ma tête, mais pas pantoute. Alors non, mais j'ai essayé aussi ceci, hein, qu'on avait en rond tantôt à cause du petit bleu ancien et du genre petite touche de beige, là, qui viendrait rappeler ceci. Puis à date, je dirais que c'est ce qui me parle le plus. J'ai aussi trouvé un drôle de petit bijou à trois perles comme ça qui me plaît et que je trouve intéressant de mettre en arrière ici pour aller chercher une profondeur avec les petites perles qui dépassent. Je vais te rapprocher, tu vois. Je trouve ça intéressant. Et j'ai aussi trouvé par accident ce petit morceau de papier-là qui est... Ouh, hein? Alors, on aurait le choix. Je sais bien que j'avais dit que j'aimais le côté gauche un peu tout plus... Je ne sais pas comment l'appeler, là. Plus zigzagué, là. Puis là, je m'en viens mettre quelque chose qui le rend tout droit. Alors, ça pourrait être comme ça. Ou ça pourrait être comme ça. Dans ce sens, oups, pas dans ce sens-là, je voulais le petit bleu. Toi, il y a un petit bleu mauve ici, comme la fleur, là. Ben, le bijou. En bas, ce qui fait un rappel. Ici. Le résultat du collage bleu, c'est le thème de cette semaine pour mon défi Art Challenge Jolaf, qui est sur Facebook et sur Instagram. Tout le monde est bienvenu de participer comme il veut, avec des collages, des photos, de la peinture, etc. Et ça, c'est le résultat de tout ce qu'on a pas utilisé, je vais dire seulement, pour le collage de ce matin. Alors voilà, super journée à toi. Bye!